Bien le bonjour, YouTube. Salut à tous. Hades, la suite, on continue. Je vais pas dire troisième run, non, mais troisième VOD. Donc c'est parti. On va voir un petit peu ce qui nous attend. Hop. J'étais parti à jouer un petit peu en off, mais finalement je me suis vite ravisé quand j'ai vu que le lore risquait d'avancer un peu trop vite. Oh, hey there, Dusa. How's your endless toil treating you? Mr. Hypnos, do you... maybe think that you could, you know, keep an eye on the procession line before Lord Hades. Ouais, ouais. You were supposed to. Au lieu de pioncer. Oh, that's no problem. I can definitely do that. I'll just add it to the list. C'est tellement pas l'image que je me faisais de cette version caricaturée d'Hypnos en fait quoi. Good then. Glad we had the chance to chat. Now, maybe get some sleep or something. You look pretty beat. Get on it, Hypnos. Allez. Let's go, Hypnos, hein, bouge-toi, lion fin. Alors, on a Achille à côté, on va aller lui causer. Ah. Qu'est-ce que c'est? What's the latest? Cause du décès, dégâts de chute. Quoi que vous fassiez, ne fâchez surtout pas Nyx. Oh non, on va pas aller fâcher la maman par adoption. Ah, Achille, je peux lui offrir le nectar. Et si j'offrais le nectar à maman? Enfin, à maman. À Nyx. Ah. J'en ai combien des nectars? J'en ai un. J'ai du sang, j'ai 3 clés, j'ai 10 gemmes, 78 trucs mûches, et j'ai 1 nectar. Hmm. Ok, très bien. Les sealed weapons by your chambers. Your father won't observe their absence, I don't think. They remind him of a time he stood together with his brothers and sisters. He wants nothing more to do with any of that. Ouais. I think it's fitting you've inherited their power. T'inquiète, j'en fais bon usage. A power that once sealed away the Titans. Maybe it's a power that can break me out of here. Thank you for helping me, Achilles. Pouvoir que raison des titans, on va bien se passer. Ok. Alors. Ah, le dogo. Ah, je peux même lui offrir. Ah, d'accord, je peux offrir le nectar au yinche. Hey boy, just me again. Here to report, it's pretty dangerous out there, even without you on guard duty all the time. The venerable hound of hell barely acknowledges the softly spoken prince's platitude. Knowing full well the underworld is not as vigilantly guarded as in ages past. Bon, on n'oublie pas, comme d'habitude, un poup-poup sur le dogo. Hein. Always feel better talking to you, boy. Ah, poup-poup sur le dogo, bien sûr. Et donc le daron. Le daron Hadès, qui est pas content. Ah, je peux lui offrir le nectar. Genre. I see you've decided to come home. Changed your mind yet? Or looking for more pain and suffering. More pain and suffering for sure. After all, you taught me to appreciate the finer things. Très bien. You keep telling yourself that, boy. Boy. Mark you my words. Sooner or later, this life that you have chosen for yourself shall teach you I was right. Boy. Good talk. Good talk. Anix, voilà. Alors, est-ce que je lui offrirais pas le nectar à elle? Y'a d'autres gens qui veulent causer? Ah, il y avait les échanges là. What's new? Ça va financer les travaux de rénovation. Ah oui, c'est ça l'offre limitée. Ah oui, 2 clés contre 20 gemmes. Ah, j'ai que 3 clés. Des gemmes, j'en ai que 10. Bon, les clés ça se farm. Ah, les gemmes aussi, vous allez me dire. À 5 clés, je pouvais acheter un nectar. Ah, vas-y, j'achète. Blur. Le nectar, je vais le garder pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire. Ouais. Je sais pas. On verra bien. You have met most of your Olympian relatives by now, child. Although the power of their blessings is fleeting here, they shall continue to support you as long as necessary. They all still think I'm headed to join them on Olympus. That's why they're helping me. They are helping you because you are family. Family with whom they do not yet have a complicated past. It's getting complicated pretty fast. Yes. À la vitesse où ça va, en effet, je confirme. God. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait comme bourde, moi? Oh là là! Attendez, il se passe des choses. Au secours. Les alertes qui se superposent les unes aux autres. Oh là là, mais... ce mec, il sait pas du tout... organisé.
Au secours. Voilà, ça va bien se passer. C'est bon, c'est ok. Hein. Désolé. Alors, il disait quoi qu'il voulait se reposer? Ah oui, allez, vous allongez. Alors attends, 2 secondes avant d'aller à l'objectif là-haut, là. Juste avant. Alors, présence sournoise. Ah oui, c'est ça, oui, on pouvait infliger des dégâts. On est à plus 30% de dégâts à partir du moment où on tape dans le dos. Là, il m'en faut 40 pour regagner des HP entre chaque. Je peux augmenter mon refus de la mort. La coupe de sang. Infligez plus de dégâts et de techniques lorsque vous frappez des ennemis ayant des cristaux en eux plus 10% par niveau. Ah, c'est pas mal ça. Et ça stack par cristaux? Ayant des ouais, des espèces de cristaux que je peux balancer. Donc ça, c'est mon arme de jet. C'est mon arme de lancer. Donc plus 10% par niveau. Mais est-ce que c'est 10% par niveau et par caillasse? Ou une seule suffit et ça se stack pas ensuite? En vrai, c'est pas mal. Là, je peux récupérer 3 HP entre les rooms si je remonte. Là, je suis à 2 pour l'instant. Le refus de la mort, ça va coûter un peu la peau des rouleaux. Âmes infernales, augmenter de 1 votre réserve de lancer. Ah oui, non mais oui! Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Ah! C'est vrai que pour l'instant, j'ai qu'un seul lancer du coup. Vous voulez pas offrir quelque chose à Nyx? Ah, je sais pas si je le fais à elle ou pas. Je sais pas, je me tâte. Se reposer. Du lore. It is the dead of night, or the approximation of it in the realm of Hades. Prince of the underworld, Zagreus, rises from a fitful slumber, with much mischief on his mind. Mischief? Me? I was just going to have a little look through Father's stuff. D'accord. J'aime beaucoup notre perso donc, qui interagit avec le narrateur. Le quatrième mur, bonjour. Enfin, c'est pas tout à fait le quatrième mur. Ever dreaming Hypnos put a spell upon the house, as willful Zagreus had asked of him. All are fast asleep, save for the prince. It is exactly as he planned. Lower your voice, old man. I'm trying to be sneaky here. Énorme. Kidego, vérifie ton adblocker et si toutefois ça ne fonctionne pas, tu n'hésites pas à ouvrir un autre onglet et à copier-coller le lien dans l'autre onglet sur ton navigateur. He ventures toward the stately throne of his lord father, half expecting to be caught, but ill expecting what he is about to find. I said shut up, old man. Énorme. He does not know exactly what he seeks. He only knows that something always has felt off to him, that he does not belong. Who is he, really? Lord Hades never would indulge such questions. So Prince Zagreus would find out for himself. Beaucoup de lore. Beaucoup de lore et une DA qui n'en finit plus. He rifles through his lord father's possessions. There is not much of any import there. Ledgers and administrative parchment work. Correspondence from Olympus which he had ignored. No trace of any reference to his son. But then, there is the note. Written finally in a hand and voice the likes of which the prince had never seen or heard. Oula, attention. Attention. Parce que là, la musique vient de se couper. Moment épique. Hades, I can no longer tolerate my life here in this place. So I'm leaving, even if it kills me. I won't be returning to Olympus. If there is a place where I belong in this world, it must be somewhere between heaven and hell. Perhaps it's on the coast and has a little garden. Take care of Cerberus. I shall miss him. Persephone. Persephone! C'est maman. Persephone. Hades. Maman. Thus did Prince of the Underworld Zagreus absorb the contents of this hidden letter, written in his mother's hand. C'est maman! C'est maman! Incroyable. His mother's hand? My mother's hand? Wait, what? You're saying this Persephone, that she's my mother? But father always said that Nyx was that liar. He lied to me. They both did. All my life. Uh-oh. Thus did the prince discover, inadvertently, the well-kept truth about his lineage.
Entirely by chance, this did occur. Oui, voilà, tout à fait par hasard, bien sûr, par la boulette inadvertante du narrateur. Persephone, the one-time queen of all the underworld. Where had she gone? And why? Engulfed by newfound questions and his rage, the prince decided to confront his lord and master. Oh, Nyx. You... why? You... you're... Nyx, you're not my mother. All this time, you and my father, you... you lied to me? Oh là, attention, confrontation. Oh, my dear child. So now you know. So now you know. But only half the truth. I can explain the rest, so... please. It never was my wish to hurt you. Mm-hmm. Mother, I wonder, will you even remember me? Ok. Donc, on sait maintenant, on avait eu des petits doutes là, depuis quelques temps, que effectivement, Nyx, bon, elle avait ce lien maternel, mais sans être vraiment persuadée que c'était réellement sa mère. Maintenant, on le sait, hein, on a la confirmation que ce n'est pas du tout, du tout sa mère, c'est Perséphone. What? Allô? C'est que ces conneries. Elle daron, faut qu'on cause. Ah, il veut pas me parler. Ah, super. Just a few more downloads left. Wow. Énorme. Merci pour la 66e personne qui vient à l'instant de boucler le téléchargement et le tuto de Red Shadow Legends. Merci énormément. Rénové. Nouvelle chambre. Restaure un peu d'HP sous la chaleur accablante. Fontaine Asphodel. Asphodel, c'est une région, ça. Combien j'ai 30 gemmes. Réaliser des prophéties des morts et soyez récompensés. Des prophéties, urnes de fortune mineures. Ah oui, certaines chambres peuvent contenir des urnes d'une valeur de 5 balles. 5 balles ou je remballe. Et après, on a toute la personnalisation de la maison, on a tout le housing à faire. Donc bon, ça on verra par la suite. Banquette, salon. Débarrasse le salon des énormes touffes de poils perdues par Cerbère. Répare les affreux dégâts. Quoi? Attends, what? 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 Répare les affreux dégâts causés par Cerbère. Ah, d'accord. Ouais, moi je veux ça, moi. Moi, je veux faire des runs corpo. This looks to be an excellent investment, contractor. Go on and make it so. You need not listen to him, contractor. La ferme. Bon, bah go, hein. Bon. Bah, désolé, on est à quoi, là? On est à 13 minutes, il y a toujours pas eu de run. Au secours. On y va. Donc, on avait dit qu'on testerait l'arc cette fois-ci, hein. J'ai assez de clés pour l'unlock? Oui, c'est une clé. Oh, le bol. Ah, je peux lui offrir à lui aussi? D'accord. Bonjour. Hey Skelly, you look like you know your way around Tartarus. Found some of this ancient Titan blood out there and I was looking to score some more. Le jeu est gratuit, Mizuki-sama. Ah, you come to the right place regarding that there, pal. It's your mean weapons back there that can find this stuff. Once you get all the way through Tartarus with one, that's all the blood you're gonna get. For the time being, anyhow. Okay. How am I supposed to keep track of which weapons I've earned these with, then? I don't know. There's always the invention of writing stuff down. You'll figure something out. Ok, en d'autres termes, démerde-toi. Alors, on avait débloqué la lance. Ouais, c'était sympathique, mais c'était pas vraiment le gameplay que j'avais préféré. On va voir avec l'arc. Déverrouillé. Open up. Open up. The Heart Seeker. The Heart Seeker. Alors. Ok. Ok, dès que ces clignotes furent relâchées, quoi. On parle de Hades ou de Red? Le Red? Allez, oui, on parle de quel jeu, là? Red est gratuit, Hades, il est payant, sur le Epic Store. Ah d'accord, je vois. C'est validé, let's go. Ah, Hades! Hades, ah non, il est pas gratuit. Ah non, my bad. Family. Oh. Death is your only family. Death and I.
best get accustomed to the both of us. Ok. Très bien. No, not on your life. On commence avec Hadès. Hadès, Zeus, pardon. À qui je peux offrir le nectar? Son to Hades by that Nyx, the night goddess, is that correct, nephew? Well, I suppose she's closest to a queen as your lord fathers like to find down there. I tried to match him up with some more wholesome types, but no, and here we are. Alors, frappe foudroyante. Produit une étincelle lorsqu'on inflige des dégâts à un ennemi, votre technique déclenche un éclair que s'abat sur les ennemis à proximité, mon élan déclenche un éclair que s'abat sur les ennemis à proximité. Très bien. Alors. Déclenche éclair, mon attaque. On va peut-être plutôt favoriser l'attaque pour l'instant. Ça va pas être simple à l'arc. Hein. J'aime. Let's go. Pour l'instant ça va, mais parce qu'on n'est pas encore sur les salles trop vénères. Oh. Yes, d'accord. Donc les petites urnes jaunes, c'est celles qui contiennent du pognon du coup. Ok. Alors, on peut partir sur Dédale ou sur... C'est quoi déjà ça? C'est Athéna je crois. Dédale ou Athéna? Qui pourrait m'apporter Athéna? Je me souviens plus de ce qu'elle donne Athéna. Athéna, je crois qu'on l'a eu qu'une fois. On l'a plus jamais eu après. On va partir sur Dédale. Dédale avec son marteau, on sait très bien ce que ça donne. Surprise. Ready for them. Ok. Alors. Votre technique transperce vos ennemis et inflige 400% de dégâts à leur armure. Alors, technique, quand même, mais c'est ma volée de flèche, c'est très imprécis ça. C'est très très imprécis. Votre attaque inflige plus 150% de dégâts aux ennemis proches et votre attaque inflige plus 300% de dégâts en zone, mais met plus de temps à préparer. Donc mon attaque, mon carré devient une AOE, mais je mets plus de temps à la lancer. Transperce vos ennemis et inflige 400% de dégâts à leur armure. En marque, ça peut être fort. Si j'ai pas mal de monde devant moi, ça peut être débile. Aux ennemis proches. Tu as vu le speedrun d'Hades lors du The Event? Non, pas du tout. C'était sur un créneau où j'étais hélas pas dispo. Donc là où est qui va mettre plus de temps? Ah, faut voir à quel point ça peut être fort. Ouais, ça peut être débile. Hein. Ah oui, c'est même mon élan devient une AOE du coup. Oh yes. D'accord. Il y a même les dégâts d'Aoi qui se mettent là-dessus, quoi. Yes. Oh, wow. Ah, les dégâts. Ah, les dégâts. Aïe, aïe, aïe. Ah, les dégâts. Ouf. Ah, ça déconne zéro. Amélioration de technique. Ah, j'ai pas grand-chose. Ça va être juste la technique de Zeus que je vais pouvoir améliorer, là, du coup. Merde. Je fais un petit shoot. Bah non. Ah, dégâts des zones, dégâts des étincelles, voilà, on va pas pouvoir faire grand chose de plus. Ok. On va continuer comme ça puis on verra bien. Merde! Oh yo! Oh l'enfoiré!
débile ce shoot là que j'ai pris là. Zera a fini en premier en butant Hades sur la troisième run en 48 minutes. Wouah! 48 minutes pour Hades? Yo! Ah, Ares. Ares into boss. Un mini boss. Oh non, pas cette merde! Oh putain! Oh sa mère! Oh c'est dégueulasse ce truc là! Ouf! Aïe. Thus I am able to confer upon you even greater power than has been my custom. Oh, trop aimable. Ouf, eh bien. Votre élan crée une faille tranchante à votre point de départ. Soutien d'Arès, votre appel vous transforme en une faille tranchante invulnérable pendant 1,2 secondes. Ok. Lorsque vous utilisez votre refus de la mort, vous infligez plus de dégâts jusqu'à la fin du combat en cours. On va plutôt prendre l'élan, tiens. J'ai rien qui booste l'élan. Surtout que j'ai un élan qui peut être débile. Ça fait quoi, du coup? Que ça, on est passé plein de fois à côté? Ok. Très bien. Ok. Oh. Oh, fontaine, une tout pognon. Nickel. Sans mal. Alors, clé ou shop? J'ai 206 balles. Eh, je peux peut-être faire le shop, remarque. Pas d'autres fric? Non. Et bah allons au shop, tiens. Allons faire un petit tour. Alors on a Dionysos. Dionysos et HP up. Sachant que je pourrais pas acheter les deux. Sight for sore eyes there, Charon. So, looks like you're selling. Is that it? You come to help me out? Ah, c'est un grand bavard. Hein. Quel grand bavard et quel grand farceur, ce Charon. Non. Brilliant. Dionysos, c'est pas mal parce que ça permet de tabler sur des stacks de dots. Donc c'est pas idiot. Mais bon, le HP up, j'ai envie de dire... Voilà. I'll take it. Et on va écho pour Dionysos, hein. Enfin, Dionysos ou n'importe quoi d'autre qu'on rencontrerait plus tard. D'ailleurs, c'est con, je suis en train de penser. Ouais, j'aurais pris Dionysos si je tombais sur un truc goldé, j'aurais pu l'améliorer direct après. Tant pis. Ah si, je peux améliorer mon élan tranchant. Hein. C'est assez anecdotique. Hein. On se fait toujours un petit peu de DPS en plus. Clean to gem avec mini boss. Ah oui d'accord, les dégâts on continue. Clé... Bon, on va prendre les gemmes. Oh, l'armure, chais! L'armure qui a vanish littéralement, quoi. Welcome.
Merde. Pratique pour faire fondre les armures, ça n'empêche. Hein. Très pratique. Une toux pognon. Mais, qu'est-ce qui se passe là? Ouf, d'accord, c'est ma manette qui se déconnecte. Merde! Bon, des coups gratos, c'est débile. Hein. HP up shop. Ah! J'ai 220 balles pour le shop. J'ai rien sans ma technique. Va voir le shop. Kieran's shop. Oh, d'accord, puis on a du blood. Ok, donc on a Poséidon et c'est quoi, c'est Hermès, je crois, l'autre. Et on a de la régène de santé. Poséidon, c'est du knockback. Hein. J'ai vraiment envie de ça. Que j'ai vraiment envie d'avoir du knockback sans mes attaques. Hein. Ça met combien d'HP ça? 30? Hey cousin! Among the words of my professional associate, I mean, must be some sort of clerical mistake. Sans doute. Vous avez une chance d'esquiver automatiquement les attaques de vos ennemis. Lorsque vous vous élancez, vous devenez brièvement robuste et vous déplacez 100% plus rapidement. Vous obtenez un peu d'argent chaque fois que vous entrez dans une chambre. Ah! La rune corpo! La rune corpo que nous attendions tant. Vous subissez 30% de dégâts en moins, vos actions ne sont pas interrompues lorsque vous subissez des dégâts avec l'hyper vitesse. Et vu que je suis sans arrêt en train de spammer l'élan. En vrai, c'est pas idiot. Hein. And here we go. Ah oui. Good. Hop, comme ça, je suis full life pour la room de la boss. Normalement, c'est Mégère. Yes. Hello, Meg. Hello, Meg. What are you doing, Zagreus? The underworld is sealed off. What you're attempting is impossible. You've seen what happens when you go too far. This place can't stay sealed shut forever, Meg. In the meantime, I thought I'd get some practice in, you know? I'm not your practice partner, fool. Mm-hmm. Uh-oh. Ah, saloperie. Oh là là, j'ai tout pris. J'ai essayé de tout prendre visiblement. Merde, les pièges. Oh putain. Ah d'accord, le refus de la mort, direct. Ah, j'y vais comme un gros bourrin. Hein. J'y vais comme un gros dégueulasse. Hein. N'importe quoi, j'ai fait un peu... Tu es un peu fort là. Got you. This holds some sort of power, but for what? Oh le gros bœuf quoi.
Oh, yo. J'y suis allé un peu comme un sac là quand même. You're not permitted to leave, Tartarus. Don't mind me, father. Voilà. Vendre, non. Acheter, c'est quoi? Ah oui, c'est différents boosts ça. Oh, restaurer une utilisation de votre refus de la mort, 200 balles. Oh, merde. Trésor de Gaïa. Obtenez 12 gemmes direct. D'accord. Donc on peut recharger le refus de la mort. Oh, bon à savoir ça. J'avais pas l'info. J'ai à présent. J'ai. Donc ça se recharge. Ok. Ok, ok. En bonne note de ce genre d'infos très intéressante. Within the suffocating heat of Asphodel reside the vast majority of those who lived upon the earth and died. Mm-hmm. There they persist until the end of time. C'est ici que je pouvais rajouter un élément de décor, un bonus en élément de décor visiblement. Je pouvais rajouter un truc tout à l'heure, c'était ici alors. Or until I crush their bones to dust. Clé. Ah. Bloodless lion wait out there, I guess. C'est quand même classe, hein. C'est quand même super classe. Ok. Donc là, c'est juste clé? D'accord, bon bah go. Ah. Ah, une nouvelle personne qui vient de compléter un instant le tuto sur Raid. Merci énormément. Ah, la bombe, l'alu. À savoir pour les prochains, ça. Putain. Oula. Là-dessus, là, quand même. Hein. Ah. HP up ou Hermès, c'est bah, ça va partir en HP up. Hein. Y'a rien de plus, non. Oh, y'a. Yeah. Il y a le tuto, je vous promets pas de continuer, pas de soucis. Merci en tout cas. 67 en 70, c'est déjà bien beau. Pognon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Saloperie. Ah d'accord. Ah toujours plus quoi. Fait chier. Je vois pas où je vais, je vois rien. Je voyais rien. Je voyais rien. Je ne voyais rien. C'était pas compliqué, je voyais absolument rien du tout. j'ai même pas compris qui m'a tué, comment. J'ai rien compris. Tout ce que je sais, c'est que je suis mort. Voilà. Mais j'ai pas compris de qui, de comment, de quoi. C'est, je me suis fait infiniser, point barre. Non, Hypnose n'est pas là. Achille non plus, tiens, d'ailleurs. Mm. Eldaron, ça roule ? I know that Nyx has been abetting you. You wish to take advantage of her pity. I care not. Her powers have their limits anyway. How can you... Nyx is the knight itself and can do as she pleases, isn't that correct, father? You think I asked to get involved in all this business? You, boy, have already dragged this entire household, not to mention my fool relatives, into this mess which you've created, which you dare call business. Mm-hmm. Pleasure doing business, then. Traduction, ouais, vite fait, mais l'idée est là. Guess what, boy?
Made it all the way to Asphodel last time. I fully understand how come you never liked it there. Now to trek on back, I guess. Take care. Despite the Underworld Prince's optimism, his old companion Cerberus, the multi-headed hound, maintains a somewhat sulky attitude for now. Ok, un poup-poup sur le dogo. Ah ! Merde ! Bon bah le dogo vient de gagner un nectar incroyable. As one of Cerberus's heads receives the prince's gift, another muzzles something back into his hand. On vient de gagner un vieux collier à pointe. You don't let anybody in or out of this place, do you, boy? Mm-hmm. Oh là, Megère et Nyx en grande discussion. We each have our commitments to this house, Megara. There is no shame in yours. And whilst your sisters are away, you bear their burden of responsibility as well. I understand. It's just, am I supposed to keep pretending nothing's changed? This house is cracking at the seams, and no one's going to admit it? The house shall stand eternally. Although in what condition, it is ours to decide. Our obligation is to keep the house in order. I know. You're right, of course, you're right. I'll do my best. I'll do my best for both our sakes, Nyx. What was that about? Ouais. Oh bah tiens. I hope you're having a nice stay. Even though you don't want to live here anymore, Your Highness. And there she goes again. D'accord, ok, bah salut, merci d'être venu. Hein. Et moult bisous. Hein. Yo, du bébé à ce programme. Pas du tout. Ah bah ça a déjà été répondu. D'accord, merci pour les réponses, à plus tout le monde. Ah, d'accord. T'as bien, je rappelle que j'ai aussi assez souvent autre chose que du pitch. Hein. On vit pas que pour ça non plus. Il hein. Y a des choses autour. Hein. Au secours. Hop. Bon. Ça n'a pas été hyper probant. Du coup, je me suis pas fait énormément de ressources. Donc ça va pas servir à grand chose. Ah si, attends, âme infernale. Du coup, je peux avoir un lancé de plus. Ah, vu que j'ai deux lancés. On va faire ça. Bon, à l'arc, c'est rigolo, mais c'est vrai que je pense que j'ai pas bien saisi tout le principe. J'ai pris les premiers builds au pif et du coup, c'était pas forcément formidable. Eh ! Merde ! Les murs sont tes amis. Smack guys against walls. Sound advice as ever, mate. Ok. Au moins. Simple, classique. Ouais, c'était un bon délire là où eux, mais pour le coup, ouais, que ça rechargeait très lentement derrière. Oh, direct, dédale. Votre attaque inflige 150% de dégâts aux ennemis proches. Votre attaque inflige plus 300% de dégâts en zone. Ah oui, bah c'est ce qu'on avait pris. Et votre attaque inflige plus 200% de dégâts aux ennemis éloignés. Ouais, salut Sori, ça roule. C'est vos ennemis proches. Ah oui. En effet, le tir a l'air de picoter un peu plus. Pognon. Ok, ça picote. Ça picote, ça picote.
trop l'enfoiré. Ok. Pognon. Là, je m'en suis jamais servi de ma technique dans la run d'avant. Peut-être que je fasse attention à ça. Continue. La run corpo. Très bien. Ok, toujours plus de fric. 116 balles, déjà. On a encore un peu de pognon qui traînerait dans la room. Putain. Ah, du nectar, pas mal. Pas mal, pas mal. Nickel. Qu'est-ce qu'on a ici? Allô? Ça fait un bon complément de dégâts en effet, ouais. Ah, Zeus. Tonton. Tonton Zeus. On l'avait un peu trop vénère lors d'une précédente run et on l'avait regretté. Ah, pognon. 5 balles. Il est vachement beau et fluide ce jeu vidéo, c'est fou ce qu'on peut faire maintenant en termes de qualité pour ce genre de loisir. Ah oui, surtout celui-là en matière de défouloir. Il se pose là quoi. Oh la vache. Ah, j'hallucine. Putain! Ça fait mal! Vite disperser tes merdes partout, toi! Oh. J'ai pris tellement cher! Oh la vache! I have somewhat of a favor I must ask. You tell your father, if you so happen to run into him again, that his brother Zeus forgives him and would like to reconnect and welcome him into the family again. Oula. Bah, les entremetteurs en général, c'est toujours synonyme de planfion. Eh ben. Ok. Votre attaque produit une étincelle. Technique foudroyant. Votre technique déclenche un éclair qui s'abat sur les ennemis à proximité. Ça, ça peut être fort. Et mon élan déclenche un éclair. Ah, vas-y. La technique. En épique. Ah, c'est quoi ça? Moins 21 HP. Il m'en reste 20. Ah oui, mais c'est le fameux truc, on a jamais été là-dedans, là. Ah, j'allais voir ce que c'est que ce truc, un jour. Mais bon, quand j'aurai genre plus de 50 HP. Oh, what the fuck? D'accord. J'allais dire, c'était bien utile de mettre tes petits enfoirés avec une armure. Génial, hein. Gros plaisir. Ah, Arès. Arès ou Dionysos. J'ai passé mon temps à spammer ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Genre... Votre technique inflige plus 40% de dégâts sur 6 combats. Prochain bienfait que vous trouvez sera des qualités supérieures. Meilleure défense et l'attaque. Hein. Arès ou Dionysos? Oh, Arès. Ouais, je suis chaud, Arès. Vas-y, go. De suite, les regrets. Hein.
C'est ça, je reste collé à eux et ils se prennent toutes les flèches dans la gueule. C'est bon ça. It pierced three titans in one shot back in the war amongst our kind. Please do take care of it. Une flèche qui a traversé trois titans dans un fion. Votre attaque applique l'état mode D. La victime subit une salve de dayob de quelques instants. D'accord, votre lancer crée une faille tranchante. Et vos attaques techniques et lancées infligent plus de dégâts. Ah, c'est la seule des trois techniques qui n'est pas en épique. Bon, mon attaque qui applique l'état maudit. Mais j'avoue que je suis plus en train de spammer ma technique en ce moment. Donc en vrai, bon d'augmenter les dégâts. Salut, prends une skill, ça roule. Du coup, c'est un genre d'arbre de compétences pour améliorer le perso et des choix à faire. C'est un choix basé sur des événements aléatoires, c'est-à-dire que comme tout bon élément de jeu roguelite, tout ce qu'on va avoir en matière de choix est soumis à la RNG, c'est du pur pifomètre, et c'est à nous d'essayer de donner le plus de cohérence, on va dire, à notre build en fonction de ce que l'on peut. On va croiser différentes divinités qui vont donc apporter des bienfaits divers et variés à nos différents aspects de notre moveset, et c'est à nous de nous en accommoder pour essayer de faire quelque chose qui tienne la route et d'aller le plus loin possible. C'est exactement le même principe que The Binding of Isaac, hein. On commence avec un perso qui a des aptitudes de base, et il faut qu'on aille le plus loin possible en essayant de se stuffer correctement au fur et à mesure. Alors, les bénédictions de Zeus, mais je suis à fond avec ça, avec la chevalière. Elle est à bloc, faut peut-être que je change de trinket un jour. Ok, tac, tac. Oh, c'est encore une survie. J'ai 26 HP, génial, grosse survie. Oh putain, de la survie avec des connards en armure, génial. Oh la vache. Enfin, c'est des moments très enrichissants. Je me suis tellement relâché sur la fin que je me suis fait allumer, mais gratos quoi. Oh, c'est quoi ça? Ah, épreuve du trésor, on peut gagner jusqu'à 100 balles, sachant qu'il y a le shop à côté. Yes! Oh la vache! Non! All right, break it up. 66 balles. Peace and quiet. Shop. Si jamais je peux me racheter des HP au shop, let's go. Ouf. Ah, il y a un HP up, il y a Dionysos et des HP tout court d'ailleurs. Bon, le HP up, ça me paraît complètement ok, mais par contre derrière, ça veut dire pas de Dionysos. Charon, mate. Now, hypothetically, if I provided you with, say, 1,000 coins, would you be willing to give me a ride in your beautiful boat? Upriver, I should say, specifically. Je crois que ça veut dire non, hein. Véritablement, je crois que c'est non, hein. Alors. Je prendrais bien la régène d'HP. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai que 50 HP, quoi. Et Dionysos, ça peut être... Qu'est-ce que j'ai là, attends. J'ai rien sur mon attaque avec Dionysos. J'ai rien sur mon élan. J'ai ma technique, j'ai pas d'appel. Le grid. Hey, salut Flo. Dis à cette heure-ci en live. Ouais. Pendant les vacances, pourquoi pas. Alors, votre attaque implique l'état intoxiqué, donc c'est ok, tiens. Votre santé augmente lorsque vous ramassez du nectar, recevez immédiatement 1 nectar, gain de vie plus 20. Yes. Et si votre santé est trop basse après un combat, elle est restaurée jusqu'à la valeur seuil, donc 30%. Un nectar de plus, je dis pas non. Hein.
C'est vrai que derrière, avoir le DPS, cet effet peut être plus qu'à 5 fois, c'est vrai que ça se stack. Hein. Mais ouais. Cheers, mate. Perfect. Si jamais je peux en récolter d'autres, en vrai, ce serait complètement ok. Ok. Ok, ok. Clé. On va falloir focus, c'est ça la nectar. Oh la vache. Oh l'enfoiré, je peux le temps de me barrer. Ce que je prends là. Ah bah tiens, derrière HP up. Bon bah voilà, finalement. Finalement, c'était pas un mauvais call. Stand aside. Plutôt pratique cette technique pour pouvoir spammer sur les gros packs d'ennemis comme ça, là, les petits ennemis chiants, là, les petits crânes pourris là, qui ont tendance à spawn de partout et à te focus dès qu'ils arrivent là. Saloperie! Sur ce, je vais regarder des films de Bleach. Ça marche, Japaïd. Bonne journée à toi, bonne soirée et à une prochaine. Pognon. Ah! Le fameux duo de ses morts, Dionysos Arès. C'est-à-dire que concrètement, le premier que je vais pas choisir, il va me tomber sur la gueule comme la dernière fois entre. C'était qui? C'était Artemis et Zeus, je crois. Ça s'était mal passé? Non. Oh, sympa. Ouais, vas-y, en fait. Vas-y, let's go. Alors, attends. Je pense que je vais choisir Arès d'entrée, parce que je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que Dionysos me cassera peut-être moins les noix qu'Arès. Parce qu'entre Rebuman et le dieu de la guerre, ou je sais pas quoi, là... On va focus Arès, hein. Votre lancer inflige une faille tranchante. Votre élan crée une faille tranchante. Lorsque vous subissez des dégâts, vous appliquez l'état Modzi. Votre victime subit une salve de dégâts par la suite. D'accord. C'est vrai que l'élan. Ah si, l'élan ça peut être fort, mais c'est con. C'est la seule technique qui est vraiment basique en fait, quoi. Il y a pas longtemps que j'ai commencé le jeu, hein, Kidego. Hein. Mais le lancer faille tranchante. Par contre, dégâts de faille 24, c'est fort. Vas-y, je tente. You wouldn't hang with me given the choice. I thought I had you sorted, man, but maybe you just don't appreciate the finer things. Uh-oh. Pas content. Sorry, Dionysus. Ah oui, d'accord. Je vois. Les dégâts en continu donc. Oh la vache! Putain, mais comment ils arrivent à me toucher en fait? Je comprends pas. Bah, je viens de comprendre. Ah, mais c'est qu'il y a les AOE aussi, Dionysos, il me balance des merdes! D'accord. Oh là là, oh là là. Ah, puis je regagne Dionysos derrière quand même. D'accord. C'est énorme ces salles en fait. C'est super chaud, mais par contre derrière t'es goldé quoi. You know what, man? Just forget about what happened, yeah? Cause I already did. I mean, it happens, right?
Ok. Ah, le retour de la frappe. Boire dans une fontaine restaure toute votre... Quoi ? Boire dans une fontaine restaure toute votre santé et augmente vos dégâts de 5%. Et là, mon attaque afflige l'état intoxiqué. 5 toutes les 0,5 secondes. Ça s'applique pendant combien de temps ? Pendant 4 secondes. Donc ça peut faire du 25, les 0,4 toutes les 0,5 secondes, vu que ça peut se stacker 5 fois. Et votre élan vous permet d'appliquer plusieurs fois l'état intoxiqué à proximité de votre point de départ. Par contre, les dégâts sont vachement réduits. Mais boire dans une fontaine, faut déjà que je puisse boire dans une fontaine. C'est pas garanti que je puisse le faire. Mais au cas où, si ça venait à arriver, could be worse. Into shop, merde, 135 balles. Oh, pas avoir grand chose à acheter. Si c'est une bénédiction, je pourrais jamais l'acheter. Enfin, une bénédiction, hein. Oh, Athéna. Améliorer mes techniques. I'll pay for that. Votre technique déclenche un éclair qui s'abat sur vos ennemis, ça passe de 45 à 57, c'est pas mal. Ou je peux augmenter de 4% l'ensemble des dégâts que je cause. Technique foudroyante. Je passe mon temps à la spammer. Pas déconnant. Ah bah c'est Meg. Ah Meg avec 50 HP. Ah, j'ai toujours mon refus de la mort, soit dit en passant. C'est ok. Ah, par contre, il va falloir vraiment que je sois au cac. J'ai pas vraiment un build de fait pour taper au cac. Listen to me, Zagreus. Your mother is long gone. You're never getting out of here, and even if you did, what hope could you possibly have in finding her up in the world out there? I've hope enough. Not that it's any of your business anymore. Your family is here. Pardon. And so is your responsibility. You're running from yourself. Ouais. I can slow you down a bit, I think. Voyons voir. Merde, elle est derrière toi, idiot. Aïe. Invulnérable, invulnérable, c'est marqué en gros, invulnérable, idiot. Quel con. Aïe aïe aïe. Barrez-vous. Le con. Ouf. Apparemment, j'avais décidé de tout me manger. Hein. Toutes les AOE, c'était pour ma pogne. Hein. Enfin, pour gagner ça. Pognon. Ouh. C'était pas forcément la situation la plus souple. Eh mais boire dans une fontaine. Dégâts plus 5%? Bah oui. Hein. Bah voilà, c'était ça les fameuses fontaines de vie. Bah voilà, plus 5% de dégâts. Alors, ici j'ai des nouvelles babioles. Remporter 15 combats pour faire monter ceci. Donc là c'est toujours... Bien fait de Zeus, ok. Obtenu plus 25 de vie. Quoi? Quoi, direct? Le colis qui me donne 25 HP? C'est trop fort.
ça c'est pas mal. 1% de chance d'esquive et de vitesse de déplacement chaque fois que vous terminez rapidement un combat. Hein ? Mais alors, je dois bien avouer que... Encore 15 combats et ça monte au dernier rang, ça. Ah, Electro, ça roule. Vas-y, je vais changer. Ah oui, il s'en va un HP. Lol. C'est moins cher que gratuit. De toute façon, comme il y a de fortes chances que je crève au prochain tableau, on va essayer de récolter des ressources maintenant. Let's go. Getting warmer. HP up et basta, juste HP up. Pas de pognon. 120 HP, je sais pas si on a déjà eu autant d'HP depuis qu'on a commencé le jeu. Semble pas. Aïe. Aïe mais putain. Il fait chaud. Il fait chaud. Au secours. Aïe 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 aïe. La moitié de mes HP qui viennent de partir, c'est quoi ça hein? Restaurer jusqu'à 100 HP. Let's go. Security. No time to lose. Il aurait peut-être fallu que je perde pas non plus plus d'HP que j'en avais au départ. Bon, ça va. On a quand même pas mal récupéré. Hermès, donc. Juste par info, tu récupères automatiquement tes lancers quand tu changes de salle. D'accord. Bon, à savoir, en effet. Ça peut rebondir. Oh. Donc, c'est Hermès. Ok. Et ben, go. Je vais faire un tranquille aura des bébés pendant que ma blonde prépare deux pizzas maison. Les pizzas maison, y'a rien de meilleur. Des cranactites. Oh, ça va encore être les saloperies de... Mais quel con. Mais quel con! C'est... Très impressionnant d'être aussi con. What's going on there, cuz? Can I call you cuz? Got something here for you, should make your battles to the death end that much quicker. Allez, enchaîne! Vous subissez des dégâts, enchaînez rapidement avec un élément pour récupérer une partie de vos HP perdus. Ah, c'est pas con ça. On tire plusieurs fois de suite rapidement. Ah, c'est pas mal non plus ça! Ah ça j'avoue par contre j'apprécie. Pouvoir bourrer mais... Ah yes. On peut littéralement les bourrer. Yes, ça c'est cool. Oh. Allô. Merci. Vraiment que je change de câble. Donc c'est quoi là, c'est shop ou gemme? Shop, j'ai 72 pognons. Pas très pertinent. Surtout qu'il n'y a pas d'objet en solde, j'ai l'impression. Oh l'enfoiré. Non.
passer mes caillasses de lancer. Là. Pognon, Dionysos. Et Dionysos boss. Mais pauvre con. Va chercher du pognon. Des pizzas maison, lardons mozza, oignons caramélisés. Ça. Mais merde. Oh la vache. Should fetch me something. Into pognon, qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Vos ennemis, 15% passif, parce que vous avez que des ennemis. Oh, 50% de dégâts lorsqu'on affiche des ennemis. Ah d'accord, pas mal. Émincé de cyclope. Ah, c'est beau ça. Quand on attaque des ennemis indemnes, ouais. Mais encore, j'aurais été en capacité de faire de lourds dégâts à l'impact direct. Pourquoi pas? Là, c'est pas trop le cas, quoi. Bon, on va économiser pour un éventuel shop. Quoique, on peut peut-être déjà... Un truc bien à faire, c'est qu'est-ce que c'est les prochaines salles? On est sur quoi, là? On est sur Hermès, Into, Poséidon. Bah, j'ai commencé avec Hermès, on va continuer avec Hermès, hein. Poséidon, le knockback à l'arc, je vois pas le délire en fait. Allô? Ah. Putain. Eh hey merde, la bombe, à chaque fois j'oublie. Précipitation, vous déplacez plus rapidement, une chance d'esquive automatiquement les attaques de vos ennemis, chance d'esquive plus 10%, et obtenez un peu plus d'argent chaque fois que vous entrez dans une chambre. Allez, là, on a une corpo, hein. Vive le pognon. Le fric, c'est chic. Alors, Athéna, into... Amélioration de technique. Ah, vendre, ah oui, non. Non, ça c'est par là où on est arrivé. Cet hôtel il sert à rien. Ah mais il y a le pognon, c'est... Ah oui d'accord, c'est un triple choix en fait. D'accord, il y a pognon, Athéna, amélioration de technique. Ok, go grenade. Go grenada. Oh.
Et merde, raté. Bon, ça va pas être bien là. Good enough to eat. Alors, le lancer tranchant, yes. Bah, continue d'augmenter la technique, hein. Toujours plus. Elle a l'air de bien faire le job. Ah, le shop. Ah, le shop into HP up. Ouais, mais HP up, bon, ça va. Ah, c'est un troisième choix là-haut. Encore amélioration de technique. Non, je vais aller au shop là. Faire un petit tour au shop là. On n'a pas lancé une run corpo pour rien. Salut Diablo, ça roule. Bon, ça c'est évidemment ok. C'est évidemment ok. Aphrodite, j'en ai pas forcément vu l'intérêt sur le moment vu que j'ai rien starté avec elle. Oh tiens. Oh, c'est un boss. Oh, c'est quoi hein? Traverse the flaming river Phlegathon to gain this vantage point. Relentless Zagreus must now confront a foe of unimaginable savagery who lies ahead, awaiting patiently its time to strike. D'accord. Bon, merci de m'annoncer qu'il va y avoir un boss. Hein. Surprise, old man. Très appréciable. Ok, donc là on va rencontrer un autre boss. Bah, j'imagine le boss d'Asphodel cette fois-ci. Ok. Pour un diamant. Pas une ressource que j'ai déjà eu l'occasion de voir ça. Hello. Bonjour. Ok, fais des AOE. Je note. C'est quoi, c'est la tête qui est vulnérable ou quoi non? Semblerait. Oh oui. D'accord, c'est la tête qui est vulnérable. Le reste du corps, non. Merde. 5, 5 tirs. Invulnérable. Oula. D'accord. Merde! Putain! Allez! Putain, les ads quoi! Oulalalala! Ish. Héros de Zeus. Vulnérable de nouveau, il va me renvoyer ces connards là, bien sûr. Putain, je prends beaucoup trop cher. De la mort, oh putain. Allez, renvoie même le cristaux là. Putain. Sans mes cristaux. Allez, ça dégage. First try libre.
Nickel. First try. Ok. Et voir celle-là. Diamant. N'empêche que ce boss a l'air quand même vachement plus gratos que Mégère. Hein. Le fait qu'il bouge pas, c'est vraiment la garantie avec le stuff que j'ai pour lui en mettre plein la gueule. Hein. Par contre, tous les ads qu'il y a autour de lui, ouf, compliqué. Hein. Compliqué. Mais merci Sankai 71 pour son 19e mois Covid sur 20, je meurs dans mon lit. T'as chopé le Covid ? Je fais mon test mercredi, mais je meurs déjà. Ah ! D'accord. Embêtant. Ah, plus 5% de dégâts. Bon, bah, y'a plus qu'à espérer que ça revienne négatif ce test à la con. Là. My keepsake collection. Just what the house contractor ordered. Ok. Là, par contre, j'en ai. Je vais en faire une tendinite du poignet. Hein. On a 170 boules. Hein. Donc, nouveau secteur alors là. Nouvelle zone. Hein. Ok. Oh là là, 1h15 de VOD pour YouTube, désolé. Hein. Élysée. Oh. C'est beau. C'est beau. Incroyable. The rare heavenly splendors of Elysium, reserved for only the most great of mortal souls, spread forth luxuriantly all about the fire-stepping prince. Le prince aux pieds ardents, j'aime bien le blaze. J'aime ou clé ? Bah j'aime. Faut qu'on fasse du housing. Oh, la ninja de ses morts là. Hein? Ah d'accord, ils ont une P2. Pour ainsi dire. Oula. Oh, c'est quoi ces connards là? Fais mal tes papillons à la con toi. Aïe aïe aïe. Un peu cher là-dessus quand même. Encore des gemmes. Ouh, nectar. Ouais, nectar, tous les jours, nectar. Oh, les enfoirés. Mes caillasses, ah je les ai ramassés. Oula, c'était quoi ça? Mais qu'est-ce que... Ouh. Ils font mal. Ah mais c'est qu'ils régènent. Si je bute pas leur P2, ils régènent. D'accord. Saloperie, ça revient à la vie si jamais on les bute pas. Et ça là, cette connerie là, ah c'est un piège en fait. J'ai vu les trucs sortir du mur, j'étais pas content. Alors, HP up, amélioration de technique, ou coffre. Avec ça dedans. Hmm.
Bon allez, amélioration technique. Let's go. Lui de le buter. Encore. Ah d'accord. Il y a une cible sur moi si jamais je me fais focus quoi. Et merde. C'est bien ça, faites bien vos freebies de service à rester à proximité des pièges, moi ça me va bien. Alors... On continue toujours en plus à augmenter la technique foudroyante, mais là ça commence à devenir anecdotique là. Peut-être commencer à monter un peu plus les autres. Oh, le marteau de Dédale. Dédale visiblement c'est God Tier. HP. Putain, enculé. D'accord. Très bien. Oh la vache. Oh mais y'a l'auto-foiros avec ses papillons là. Ah je suis en train de déguster. Ah. Mais quelle baiserie! Oh, oh c'est horrible cette salle, pire salle, horrible salle quoi. Oh l'horrible salle, ignoble. Mais c'est de la merde l'autre saloperie avec ses papillons! Mais quelle merde que c'est ce truc! Oh, horrible! Oh l'horrible salle à papillon nul. Aïe aïe aïe. C'était très douloureux madame. C'était très douloureux. Mais au moins, on a avancé. On a découvert l'Elysée. Et on a vaincu l'Hydre First Try. C'est ok. J'adore l'idée. Moi perso j'adore l'idée. Hein. Pas de problème. Hein. Bon. Chers amis de YouTube, on va se laisser là-dessus. Pour cette game. J'avoue que... C'était... dynamique. Et douloureux. Mais ça fait du bien. Des bisous à tous YouTube et à très bientôt pour la suite. Au revoir.